La fermentation est un processus qui comporte plusieurs étapes. Un démarrage, une phase de développement tumultueuse et une phase finale pendant laquelle on s'approche de la fin de la vinification. Au cours de la vinification, le maître de chai supervise toutes les opérations. Par exemple, celle du remontage, qui est une opération effectuée lorsque le chapeau de marc qui se forme en haut de la cuve lors du processus de fermentation, qui va libérer du CO2, tend à se condenser et sécher. Ce qui n'est pas bon pour deux raisons. Tout d'abord, les substances colorantes qui sont contenues dans la pellicule des baies ne parviennent pas à apporter de la couleur au jus qui est à l'intérieur de la cuve. Ensuite, parce qu'il y a un risque de piqûre acétique si le marc devient trop sec. On effectue donc un pompage du moût dans la partie basse de la cuve pour mouiller le chapeau de marc qui est en haut de la cuve. Il s'agit d'une sorte de lavage du marc. C'est une opération simple qui est effectuée souvent au cours de la fermentation. Pendant le processus de fermentation biologique, on assiste à des variations de température qu'il faut contrôler et réguler. Une fermentation à basse température, c'est-à-dire aux alentours de 20 degrés, permet, lors de la vinification de vin rouge, d'extraire davantage d'arômes d'un côté, mais de perdre de l'autre du corps, comme par exemple dans le cas de la Freisa ou de la Bonarda, des vins qui sont jeunes et francs et qui doivent frapper de par leur arôme. Invece a temperature e macerazioni, quindi a temperature più alte, come per esempio nel caso di una Barbera. En ce qui concerne le Barbera, la température est d'environ 25-30 degrés. Qui abbiamo un'estrazione maggiore e chiaramente, essendo che la temperatura è più alta, abbiamo anche. On obtient ainsi une extraction plus intense. Et étant donné que la température est plus élevée, on assiste à une évaporation accrue de l'alcool et malheureusement également des arômes. Finezza aromatica leggermente inferiore. Durante la fermentazione bisogna avere comunque sempre il controllo. On obtient donc ainsi des vins qui possèdent une meilleure structure, mais qui ont un peu perdu en finesse aromatique. E il controllo per noi appunto in cantina. Au cours de la fermentation, il faut sans cesse contrôler la cuve et le produit que l'on est en train de réaliser. Il s'agit essentiellement d'un examen organoleptique. On prélève un échantillon de la cuve et on vérifie la finesse des arômes et l'absence d'odeurs désagréables. On vérifie également que le vin ne soit pas trop agressif en bouche, qu'il ne soit pas trop extrait non plus, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas ressortir de façon exagérée les composants contenus dans le marc. Ces opérations de contrôle doivent être effectuées tous les jours jusqu'à la fin de la fermentation. A fianco a questo, un altro monitoraggio chiaramente è quello della discesa del tenore di zucchero. On contrôle également l'élévation de la teneur en alcool et la diminution de la teneur en sucre. On ne peut effectuer le décuvage que lorsque le taux de sucre a atteint un minimum. Le décuvage est une étape pendant laquelle on écoule le jus, c'est-à-dire le vin quasiment terminé, et on extrait les parties solides de la cuve. Le décuvage s'effectue de cette manière. On ouvre tout d'abord un robinet situé au bas de la cuve pour laisser couler tout le jus, ce qui va permettre à la partie solide de se déposer sur le fond. Dalla vinaccia e dai semi. Come viene fatta? Viene fatta in questo modo. Viene aperta una valvola sulla parte in basso appunto del vinificatore, da cui fuoriesce il liquido. Viene separato dalla vinaccia che rimane all'interno del nostro vinificatore. La vinaccia verra poi estratta in seguito. Le marc est ensuite extrait et acheminé au pressoir pour récupérer encore le vin de presse qui a des qualités légèrement inférieures. Di liquido, quindi un vino magari di un livello gustativo leggermente inferiore, ma che comunque può essere recuperato. Le marc pressé sera enfin acheminé en distillerie pour produire de l'eau-de-vie, tandis que le vin qui a été écoulé est versé dans une cuve propre pour l'étape d'élevage. All'interno di un contenitore vuoto, pulito, e qui inizierà poi quello che viene definito il suo periodo di affinamento.